Oh, il y a encore une traduction française aux fraises. Et pourquoi en 720p? Évidemment qu'on va la mettre. Alors, on peut doubler la puissance sonore. On va le faire évidemment pour les jumpscares. Tout pour le jumpscare. Traduction franc-fraise. Exactement, une traduction franc-prix même. J'en peux plus de ce bruit. Vivement que j'ai l'autre bras. L'autre bras de micro dans 3 mois qui m'attend déjà... Bah, nulle part. Arrête. Ne commence pas comme ça. On n'a pas attendu 2 jours pour avoir un stream pour se taper ça, là. Merde. Chambre à louer, ouais. Non mais... On a fait quoi ce soir? C'est déjà la fin du live. On a fait quoi exactement ce soir? J'ai l'impression qu'on a joué à que dalle. Mais c'est la... Mais on a fait ce jeu l'autre fois! Mais on l'a fait l'autre fois, ce jeu! C'est un cauchemar, cette soirée! Quand est-ce que ça va s'arrêter, putain? On l'a déjà fait l'autre fois! Attendez, c'est peut-être un autre jeu avec les mêmes assets, par contre. Mais rappelez-vous, on trouvait pas l'entrée de l'appartement, là! On a tourné 100 ans, là! Pour trouver une putain de clé qui était cachée dans le noir! Je dois prendre la boîte de mes affaires à l'arrière de ma voiture. Oui, c'est un autre jeu qui se passe qui se passe au même endroit avec les mêmes assets! C'est totalement un autre jeu. Mais rappelez-vous, vous rappelez ou pas de l'endroit? Putain, mais cette suite d'appartements, c'est un asset gratuit? Oui, parce que l'autre jeu avait pas du tout la même gueule graphiquement. Et même, on trouvait pas comment rentrer dans l'appart, on avait eu un raid de Seros à ce moment-là et tout. On avait fouillé dans les pots de fleurs et tout. L'enfer. Ça ressemblait... C'était une copie honteuse de... De From the Darkness. Ah, c'est pas le même jeu. C'est au même endroit, mais c'est pas le même jeu. Du coup, je fais quoi? Porter des affaires dans l'appartement. Ah ouais, putain, c'est un full asset gratuit, en fait, ce truc de merde, là. Et quel appartement, du coup? Ça fait ouf, ouf. Ouais, par défaut, on va monter dans l'appartement de l'autre jeu, hein. Ça m'a l'air d'être là. J'ai envie de crever, putain, c'est ces jeux qui se passent tous dans les mêmes endroits, là, putain. Au secours, quoi. J'ai vu un jeu d'horreur sur Switch l'autre jour en solde, je me suis dit, oh, ça a l'air sympa et tout. Je l'ai regardé tourner, j'ai fait, putain, mais c'est la maison habituelle de tous les jeux Unreal Engine de base qu'on fait. La même maison. J'ai fait, c'est bon, je peux plus me la voir, on l'a fait 6 fois d'affilée dans 6 jeux différents. Quelqu'un qui passe le balai, mais on sait pas où. Il faut aller dans quel appartement? Mais, imaginez, c'était au premier étage. On pourrait pas monter si haut sinon. Ouais, dans l'autre jeu, ouais, y avait un chat et tout. C'est pas le même jeu, mais il y a quelqu'un. Bah voilà. Bonjour. Vieille dame, ma chère, votre chambre est à droite. Ah, vieille dame. Ma chère, votre chambre est à droite. D'accord, je crois que c'était une façon bizarre de parler. Madame, vous ressemblez à un asset dans un jeu d'horreur que j'ai déjà vu. C'est mieux de mettre l'interlocuteur en haut et le texte en dessous. C'est plus facile pour la compréhension du streamer qui est déjà saoulé alors que le jeu n'a même pas commencé. Et qui a mal aux cheveux. Ok. Allez, c'est pas grave, le jeu a du mal à se charger, mais c'est pas grave. C'est rien. Unreal Engine, voilà. Mettre la boîte sur la coiffeuse. Ah. J'ai compris la coiffeuse premier degré. Oh, c'est le même appart. J'ai envie de crever. C'est l'appart de From the Darkness. Mais qu'est-ce que c'est que ce désordre? On dirait que quelqu'un est parti précipitamment. Ah, je suis sûr que ça va être bien. Allez, ne partons pas salés. Je suis sûr qu'il va y avoir des jumpscares qui marchent. Je vais nettoyer. Oh putain. How?
Et tu jettes dans quoi exactement? Elle vient d'où cette musique? Mais d'où vient cette musique? Ah, il y avait une radio allumée. Ah ouais, recyclage sur 20, hein. Non, je suis sûr, il va être bien. Je ne veux même pas savoir comment cet ordinateur est apparu. Ok. J'y crois à fond. Je pense qu'il va être bien. J'ai de forts espoirs placés dans ce jeu. Le seul jeu bien de la soirée. Cordosis ne compte pas. On s'est fait scam. On connaît par cœur cet appartement, il est dans tous les jeux. Ça c'est rangé là? Ça c'est pas rangé. Il y a des clopes et tout. Ok. Toutes les nuits, alors que la nuit tombe sur ce bâtiment Mods, une musique entraînante et a priori hantée sort de l'appartement de la vieille dame. Alors, ce n'est pas vrai, une musique hein, provenant d'un simple vinyle, non. La tonalité de la chanson se tord et se distord d'une certaine manière, comme si elle absorbait mon âme. J'ai tenté de l'ignorer, mais je ne peux point. On dirait que cette chanson m'appelle. Et il y a quelque chose de très sombre derrière cette chanson. Quelque chose que je ne peux point oublier. Ok. Alors ici, dans l'autre jeu, il y avait un pendu. Par contre, il y avait les mêmes multiprises. Il crevait. Speed fun. Ah. Il y a du pain, cela dit, c'est cool. Salut Volsolès, comment ça va? Bonsoir. Est-ce que je peux me détendre maintenant que j'ai fini de ranger? Ah, c'est là derrière. Ah, c'est les mêmes chiottes, hein. Ouais. Nettoyer l'appartement. Ah, on a loupé un truc. Oui, le linge, peut-être. Non. Oh, on dirait la télé que j'ai derrière moi. Sauf que ça, c'est une Philips. Et moi, c'est une Samsung. J'aurais aimé que ce soit une Philips, cela dit, pour faire la vanne. On a oublié quelque chose à ranger. Est-ce que vous avez vu du bordel encore? Est-ce que vous avez eu un truc en bordel? Un truc dans les chiottes, peut-être? J'ai essayé de cliquer partout, j'ai pas trouvé. Ah, là. Dans la chambre. Et un clodo de l'espace. L'appartement a l'air assez propre. Maintenant, je devrais jeter les ordures, car elles sentent très mauvais. On va pas foutoyer dans la poubelle. Ah là, oh, j'ai bugué, je suis monté sur le décor. Ok, les poubelles sont là. Ok, on va réussir à sortir peut-être. Ok. Ah, la fameuse musique qui va vous tordre l'âme. Non mais, à un moment donné, on peut sprinter ou pas? On va pas quand même devoir descendre en bas, si? Ah oui, on va pas monter en haut non plus, mais... On va pas se retaper les 4 étages pour aller jeter les poubelles quand même, c'est quoi hein? C'est un simulateur de vie, ça me rappelle juste que j'ai oublié de sortir mes poubelles. Mais ça va, elle est vide. Donc c'est cool. On ne jette pas ces ordures devant les portes d'immeubles, merci. Oh, ça sent le vieux... J'allais dire, ça sent le vieux cul, oui, mais ça sent le vécu, surtout. Puis on n'y voit rien, en plus, hein. C'est agréable hein, de se promener dans un hall avec des économies d'énergie. Jette-les sur la vieille. Mais non, elle écoute la musique. Elle écoute la musique qui tord notre âme. Comme un guitariste pas accordé. Ah, dans ce sous-sol, on pouvait pas y aller dans l'autre jeu aussi. Ah non, c'est l'entrée de l'immeuble. La tempête a empiré! Je devrais jeter les ordures et revenir rapidement à l'intérieur de la maison! Seulement le problème, c'est que je ne sais pas où est la poubelle! Elle est là! Waouh! Je dois faire le tour pour jeter les poubelles! C'est bon! Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il y a un truc qui clignote là-bas. Et qui a l'air de se rapprocher de moi d'ailleurs. Je vais aller voir ce que c'est dans le doute, histoire qu'on se tape un game over. Je me casse, c'est bon, j'ai compris. Et qu'il faille peut-être recommencer le jeu depuis le début. Non mais dans le doute, on va aller voir quand même. C'est peut-être une vieille dame en détresse. Et puis je veux dire, j'ai passé mon diplôme, mon BAFA. Ça va? Vous voulez venir vous réchauffer chez moi? Vous avez les yeux orange? Bonjour! Ah! Ah, je suis la personne suivante! C'est marrant, ces posters, on les a vus dans un autre jeu qu'on a fait il y a 2 jours! Ok, bah c'est cool! Merci, madame! Sinon, vous allez bien ou pas? J'essaie de vous parler pour baisser le son du jeu, en fait. Sinon, ça vous encule les oreilles. Alors que le son de la tempête va crescendo. Oui, je me balance en toute cadence. Et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ça m'encule les oreilles. Ah bah ça drache fort dehors, eh ? Rip mes oreilles, mais c'est pour ça que je parlais fort. Comme ça, ça vous baissait le son du jeu. Imaginez moi ce que j'avais dans les oreilles, j'avais full volume, j'avais full puissance. Moi ça se baisse pas dans mes oreilles. Vous oui. Ouais tout ça, c'est pour vous que je le fais. Donc on a croisé une vieille dehors qui nous disait vous êtes le suivant. Et le suivant de quoi? Je vois bien mais... À part un jeu très mal mixé, pour le moment on n'a pas grand chose hein. Mais bon, il y a une ambiance qui se pose. On vient d'arriver dans cet appartement, il y a l'air d'avoir une vieille qui passe le balai, une musique bizarre qui sort de chez la vieille, il y a eu des gens qui ont disparu. Et voilà quoi, on a sorti les poubelles, on vient d'emménager, demain sera un autre jour, la tempête se sera probablement calmée, on pourra aller chercher du travail. On va écouter la musique de la vieille. Ah, elle a changé de tonalité, effectivement. Effectivement, c'est plus Twisted. Twisted Transistor de Korn. Tout à l'heure, j'ai découvert Bohemian Rhapsody en mauvaise tonalité, en tonalité renversée. C'est un enfer. C'était un enfer à écouter. C'était juste, hein, mais c'était à l'envers, en fait. Et c'était très bien fait. Explorer l'appartement. Mais on l'a déjà exploré en jetant les poubelles. Qu'est-ce que tu veux que j'explore de plus? Pornhub sur l'ordi? Non. Merde, d'être un sacré jeu de merde, hein. La tempête, bah son plein. Je devrais commencer à travailler sur mon prochain roman. Bah voilà. Hop, à l'ordinateur. Non? Bah pas voilà. On est arrivé ici avec des affaires. Salut beau gosse. Alors. J'ai vu une lumière flasher ici là. J'ai cru voir quelqu'un. Asseyez-vous à la table de travail pour reprendre le travail sur le prochain roman. Mais qu'est-ce qu'une table de travail? Je comprends pas. Je crois qu'il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'une table de travail? Vous savez, vous? C'est une table de travail, c'est quoi? La table basse? Non. Table de la cuisine? Tu peux pas t'asseoir ici pour travailler? Ah, il fallait cliquer sur le cul du siège en fait. Une histoire d'horreur! Cette histoire commence avec... James... Un homme sans peur... qui a une chaîne d'histoire d'horreur qui a décidé d'écrire... de faire une investigation sur une maison tristement célèbre, abandonnée de l'hôpital de Crimson Hill. James est un... est connu pour son style minimaliste. Si je me prends un jumpscare, je vais sauter là. Gna 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 gna. Il a fait des expéditions avec une caméra VHS. Tu veux pas sinon mettre en plein écran ce que t'es en train d'écrire en fait, casse-couille? C'est illisible. Et du coup, je fais quoi maintenant?
Ta grand-mère, je suis chié dessus. Ah bah c'est bon, on a compris qu'il y a des gens qui ont disparu, je suis le froid, le prochain, ah merde, je suis vexé, ça y est. Bon, comment on arrête ça là? Comment on se lève? J'appuie sur tous les boutons du clavier. C'était rincé? C'était rincé, mais elle m'a mis la chair d'ampoule. Mais là, du coup, c'est caduc ce que je viens de dire parce que je me suis chié dessus. Non, par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est les grands bruits comme ça. Les gens énervés qui crient. Et les gros boum boum de basse, comme ça. Ça, ça me terrifie en général. Les grosses ambiances de basse, là, ça me scie les genoux. Vous savez ce qui serait bien? Là, je sens que je vais me chier dessus en fait. J'ai pas vu cette porte tout à l'heure. Il est tellement générique ce jeu. Et pourtant il marche bien quoi. L'ambiance est passée de rien à tout d'un coup. C'est générique de ouf hein, mais ça marche. C'est le même jeu que tous les autres, mais ça marche. Qu'est-ce que je dois faire? Vérifier le tableau électrique. Bah oui, connard, pour mettre le jus. Moi, c'est les boum boum dans le casque. Je me prends une masterclass audio là. Il me faut un boum boum pour être heureux. Boum 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 boum. I want you in my room. Spend the night together and gather in my room. Ah, ça par contre, ça me fait débander de suite en fait. x6 égale 53 égale light. Puis il faut faire des calculs en plus. Les fusibles sont grillés, il doit y avoir des fusibles de rechange que je peux utiliser. Oh, des fusibles de rechange pour le tableau de fusibles. Ouais. Alors attends, parce que... On est d'accord que notre personnage est sombrement conne. Elle se fait chier à avancer au briquet alors qu'avec elle, elle a amené une superbe torche. Tu sens que c'est un assets de base et qu'il a pas du tout prévu qu'il y aurait un connard comme moi qui regarderait là où il est pas censé regarder. Je sais pas, ils nous disent d'amener cette boîte. Ma foi, je regarde dans la boîte. Je pense que les fusibles sont la petite annexe de la terrasse de la cuisine. Il a l'air d'avoir du matériel de travail là-bas, de l'outillage. Et boum boum. Ascenseur érectionnel. Alors je me gratte partout, c'est grattable avant d'avoir un jumpscare, histoire de pas me crever un œil. Connard. Carte de tarot. La lune. Je te la montre ma lune, connard. Ta mère, mais qui a ce genre de poupée chez lui là? La poupée elle est cool par contre, hein, les Silax, hein. J'aime bien. Ah, elle paye pas de mine là, mais je vous garantis que si vous avez une poupée comme ça chez vous assise sur un fauteuil et que vous vous levez en pleine nuit dans la pénombre et vous voyez ça, il y a moyen qu'il y ait une goutte de pipi ou deux qui coule quoi. Moi que j'incendie la baraque, pas complètement. Ben voilà, plus que nous me faire chier à faire gagner des trucs qui vous vont kiffer au giveaway. Hein, j'aurais dû faire gagner ça. Pour les courageux uniquement. Les modes l'horreur. Ah, une boîte à fusibles.
j'ai acheté cette merde. De l'essence et des allumettes. Ah oui, on peut faire gagner ça aussi. Égal 53 x 6. Enfin, il faut que on mette les 6 et que ça fasse 53. Quelqu'un qui a envie de faire des maths ou pas là? Oh, ça me casse le cou, je crois que j'ai que ça à foutre. Je suis là pour avoir peur, moi là ça me sort de l'horreur, ça me casse juste les couilles. Bien finir par l'avoir au pif hein. C'est le plus gros pifomètre qu'on ait jamais fait sur cette chaîne, je crois. Donc bon, littéraire, les maths pour toi, c'est l'horreur, c'est dans le thème. Ouais. 24. Alors, 24. 39. 47. 53. Ah non, ça fait 52. Vas-y, nique t'es mort. Ah, on peut pas dire que c'est pareil, hein, un prêt là, putain. Ah mais ça va, c'est pareil là, non. Ça fait 52 là. Y'a des gens qui soient Silent Hill 2 là, dans mes contacts. Oh. 59. Cinquante-sept. 53. Je google le jeu et un des premiers résultats c'est le puzzle des fuse. Ah bah sans blague. Allez vas-y annonce, qu'on en finisse. T'as même pas besoin de lever la main, c'est bon. Vas-y annonce, je me casse les couilles déjà. J'ai essayé, j'ai fait 52 et 54 ou 55. Ok, 2 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, tu me dis en 9, tu me dis juste les chiffres genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On va calculer comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dis-moi juste. C'est bon. On me saoule. Ah, ça fait 53 là, c'est bon. On a fait 52 et 54 là, c'est bon là. Je suis sûr que je l'avais, la Solus. 1, 2, 3, 4. 6, 7 et 9. Eh mais attends, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, mais en fait, ça marche pas. Il faut appuyer sur le bouton à côté. Et ouais, donc en fait, depuis tout à l'heure, on avait la bonne Solus, mais à un moment donné, il fallait juste appuyer sur le TE. Bref. Merci. Merci, Mina. Merci pour l'effort. Nous a sauvé le cul. Putain, il fallait appuyer sur le bouton. Vérifie s'il y a quelqu'un dans l'appartement. Alors déjà, c'est simple, tu fais... Y'a quelqu'un ? Premier degré, je me chie vraiment dessus. J'ai vraiment peur, je sais pas pourquoi. D'un coup, j'ai vraiment peur. Je sais pas pourquoi, j'ai une vraie peur.
c'est nul, mais je sais pas pourquoi j'ai peur. Je pense que c'est les boum boum. L'ambiance. J'ai peur en fait qu'en disant il y a quelqu'un, machin et tout, qu'il y a, d'un coup il y a quelqu'un qui débarque dans le bureau en fait. Je vais pas me jinxer, ta gueule putain. J'ai fermé en bas, ouais. Ah, je sais pas pourquoi j'ai un malaise d'un coup. J'ai une vraie terreur. Je sais pas pourquoi. Oh, tant mieux. Au moins je suis dans l'ambiance. Et au moins un jeu qui marchera ce soir. Mais il me met mal. Il me met mal comme la première fois que j'ai découvert From the Darkness où j'ai eu envie d'Alt F4. Pour l'arrêter. J'ai plus envie d'avoir peur. Je sais que je vais avoir peur. On a bien fait de couper les commandes, hein. Attends, l'autre il se met dans l'ambiance aussi. C'est bon, on a vu qu'il y avait personne dans l'appart. Allez. Hein, on va s'enfermer, on va faire dodo. Non, non, on va partir en fait. On va appeler un Uber. Voilà, bon bah c'est la merde, je vais chercher ma lampe de poche dans la boîte des affaires. Oui, bah oui, il serait peut-être temps de te rendre compte que t'as une lampe torche, connasse. Pardon. Quelqu'un qui colle, merci. Je vais hanter, tu vois, on m'a mis derrière éclairé par la grande LED. Non, 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 tout va bien. Tout va fucking bien. Ah bah, zut, où est passée ma lampe de poche? Je l'avais pourtant laissée ici. Pourquoi ce jeu marche? C'est nul, c'est rincé, c'est générique. Je pense que ça trahit une peur que j'ai, une vraie peur, très certainement. Et vu qu'en ce moment je dors pas très bien, je suis pas très bien. Et je suis un peu stressé. Une meuf qui me fait peur avec son taf. Ça, tout ça. Ça devrait pas marcher à ce point. T'as peur de l'orage ou d'avoir une vieille chelou comme voisine la vieille? Orage, j'ai pas peur. Il y a eu de l'orage ce matin, j'étais tout content. On était en avis de tempête. L'orage, j'adore ça. Ça me met dans le bon mood. Mamie, il va être penché dessus de ton épaule. Niquez-vous. La phobie du papier peint, peut-être. Peut-être. Ça a un nom, cette phobie? Ok, la tension redescend, c'est bon. Je reprends le contrôle de mon rythme cardiaque. Mon cœur bat pas. Je sens pas mon cœur. Papier. Grand-mère sait faire un bon café? J'ai pas peur, je suis armé d'un briquet. Je peux te brûler les cheveux. Il éclaire pas ce putain de briquet là. Et crois-moi, si je te brûle les cheveux... Pourquoi j'ai... Mais pourquoi j'ai des putains... de chair de poule dans les jambes et tout. Pourquoi? Il est nul ce jeu, je comprends pas. Pourquoi? C'est la grande question du soir. La... Papétolétophobie. Papétolétophobie, ok. Papétolétophobie, papétolétophobie. Papétolétophobie, papétolétophobie. Papétolétophobie, papétolétophobie. Pourquoi j'ai peur comme ça? Connerie de jeu. Elle est peut-être en train de faire caca, la vieille. Ne parle mi, ne bon mi, ne parle mi, ne bon mi. Évidemment. Ta race la couille. Hein. Heureusement, j'ai pensé à prendre ma lampe de poche. Elle était censée se trouver dans la boîte avec mes affaires. Quelqu'un a dû entrer dans mon appartement pendant que je sortais les poubelles. Non, puisqu'on l'a vu il y a 30 secondes. Connasse. C'est pire. Tu n'as pas changé les piles, en fait. Ou alors, je sais pas, tourne l'iris, là. Là. Ah, papétélophobie. Peur des gens qui habitent à Papété, des gens qui se posent.
Les cris ont dû venir de l'appartement de la vieille dame. J'ai failli pleurer. Quand j'ai vraiment peur, j'ai envie de pleurer. La fatigue peut-être, j'ai envie de pleurer. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est? Ça y est, on est enfin dans le mois de l'horreur là? Il est nul ce jeu. Mamie? Mais pauvre roi, le pauvre roi il est en terreur, il sait pas pourquoi. Le briquet était mieux, on est d'accord. Il faudra un combo des deux. Je sais pas, une... Tu l'allumes et tu fais une vraie torche. C'est froid, c'est austère. Mamie? Vieille dame pourrait-elle cacher un double de ses clés? Je sais pas, sous le tapis. Trouver le double des clés de l'appartement de la vieille dame? Mais what the fuck? Peur de peur ou de dépit face à cette série de jeux pété du cul? Non, là j'ai vraiment peur pour le coup. Une vraie peur légitime. Ah bah on peut pas descendre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? On peut plus aller dehors. Il y a des poubelles partout, génial. Et on se croirait à Marseille pendant la grève des éboueurs, c'est-à-dire 365 jours de l'année, quoi. C'est Marseille, bébé. Mais qu'est-ce qui pue comme ça? C'est Marseille, bébé. Non, mais calmez-vous avec les lasers, là. Alors, si on a coupé les commandes, c'est qu'il y a une raison. Je suis plein de rire, je dois être sadique. Ouais. Très certainement. Un jeu d'horreur qui te fait peur, c'est surprenant. C'est vrai que l'un dans l'autre, c'est d'une logique absolue. N'empêche, ça rend vachement bien ces petites lumières. Ah bah super, je suis enfermé. Je peux plus rentrer chez moi. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette galéjade? Je sais pas, pour moi c'est sous le tapis. Mais j'ai cliqué dessus déjà tout à l'heure. Oh, c'est le premier truc que j'ai fait, fallait attendre qu'il y ait le... Oh. Ah, celui-là il est pas instancié. Mamie? Monsieur qui s'y frotte? Monsieur qui s'y frotte? Cet endroit semble avoir été abandonné depuis des années. Monsieur qui s'y frotte? Ah, pour le coup, je pense pas que c'était du backseat, je pense que c'était juste une vanne. Et c'est gentil de veiller à mon bien-être. Vous êtes de bien belles personnes. Tout ça parce que vous voulez gagner des cadeaux le mois prochain. C'était bâtard. Ah, c'est quoi le backseat? Bah, clique sur le lien qui a été envoyé dans le chat juste avant. Mais pour le coup, je pense que c'était une vanne. Mais il n'est jamais trop tard pour apprendre ce qu'est le backseat. Ah, les faillots. Les faillots pour avoir des cadeaux. Ah non, mais ça, ça pue le jumpscare, ça. Ça, c'est... Classico-classique du jumpscare qui est la tête ou du corps qui rampe ou une connerie, quoi. Merci pour les sanglants bits. Il faut vraiment que je désactive les commandes audio, par contre. Le problème, c'est que je peux pas le faire. Je suis obligé de faire un truc manuel, sinon je peux couper le son, mais du coup, vous claquez l'argent dans le vide et il n'y a pas de commande. Donc ça, je ne sais pas trop comment gérer ça. Ça met que le site est inaccessible? Comment ça? Stop backseat a fermé? Sans déconner? Une photo d'appareil instantané avec une description très bizarre. Si quelqu'un en claque une, jetez où? Non. Non. Et je vois quelqu'un sur la photo. Il y a une vieille. Oh, j'ai eu peur de la couette. C'est normal ou pas? Mon perso qui a fait un peu de stress, c'est ça. Merci pour les 100 balles. Les 100 glands balles. Pourquoi j'appelle ça des glands balles? J'ai presque envie de vous... Putain, c'est moins le bruit. Ah, stop backseat et down. C'est con ça, parce que c'était le meilleur site possible pour éduquer les gens sur le backseat et sur le... Et sur le... les spoilers. C'est dommage. Non, après, les commandes d'argent, qui suis-je pour refuser de l'argent? Je veux dire, ça va, on pouvait le faire. Mais je pense que je l'aurais... je sais pas, je me serais très certainement mortifié.
Maintenant que tu me l'as dit, je vais m'y attendre, mais je pense que ça me baisera quand même. Putain, c'est si con que le site ait disparu. Il était bien parce qu'il éduquait vachement les gens, ça te mettait un gros cours sur qu'est-ce que le backseat, qu'est-ce que le spoil, en demandant si t'avais bien compris, et quand tu disais oui, j'ai compris, ça t'amenait sur la page pour faire une demande de déban sur la chaîne sur laquelle tu étais ban. C'était très bien fait, ça. C'est dommage. Après, qui suis-je pour refuser de la thune, hein, évidemment. On refuse jamais l'argent. L'argent sale, certes, mais de l'argent quand même. Bon, c'est dommage que Stop Backseat soit down. Ça doit faire un moment qu'il l'est. C'est très dommage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ouais. C'est le piano de David Guetta. Où ça se passe comment? Non, avec une touche sur le sien. Il a pété sur de l'argent. Oui. De l'argent sale. J'ai vu que tu trouvais pas, j'ai proposé. Ah! Ah oui, non, effectivement, c'était pas une vanne. Donc oui, le backseat, c'est tout simplement indiquer ce qu'il faut faire ou demander ou dire ce qu'il faut faire au streamer ou à la streameuse sans qu'ils te l'aient demandé, surtout quand ils sont en découverte. Ça, c'est du backseat. C'est leur donner des suggestions, des machins, alors que tous les jeux sont en découverte, tant qu'ils ne te l'ont pas demandé. En fait, de base, part du principe que sur toutes les chaînes, personne ne veut d'aide. Et que à un moment donné, s'il y a vraiment besoin d'aide, ils en font la... Ils en font la demande express, en fait, et le spoil, là, c'est carrément balancer des infos sur la suite du jeu, sur un événement marquant, genre, ah tiens, ce personnage, il va mourir dans 10 minutes, elle va te faire foutre. Ce genre de truc. Ouais, j'allais dire sur la Wayback Machine, peut-être. Et du coup, oui. Évidemment, quand on a vraiment besoin de backseat, ou que j'ai besoin d'aide, du moins, j'en fais la demande express. C'est pas parce que vous me voyez tourner pendant 10 minutes que j'ai forcément besoin d'aide. J'en ferai la demande et on a créé une commande exprès pour ça. Ouais, si t'es pas sûr, tu peux nous demander au Rondodu, t'inquiète pas, y'a aucun souci. Y'a aucun souci, j'avais déjà trouvé la clé, t'inquiète pas. On a créé une commande exprès en fait. Si vraiment les gens voient que je galère et visiblement, par ego, parce qu'on a tous de l'ego de merde, je demande pas d'aide, on a une commande qui s'appelle point d'exclamation moi ou point d'exclamation aide. Et ça va me biper et je vais voir dans le coin de l'œil qu'une personne me propose son aide. Ça lève la main pour. Voilà, comme à l'école. Et à ce moment-là, je peux fermer ma gueule et mettre mon ego surdimensionné de côté. Mon arrogance de côté et dire, bon allez, c'est bon, j'accepte le coup de main. Voilà, comme ça. Désolé pour dérangement, il n'y a aucun dérangement, t'inquiète, il n'y a aucun souci. Je préfère les gens qui demandent comme ça, t'inquiète pas. Elle est cool cette commande, n'empêche. Par contre, ouais, ça apparaît sans vraiment apparaître chez moi. Je pense qu'il faut mettre un truc sonore avec. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme machin sonore qui est pas intrusif non plus? Sur une commande comme ça. C'est bien qu'elle reste active même quand tout le reste est désactivé, celle-là. Ça lui fait un break dans sa trouille, c'est ça? Il y a eu des chuchotements, oui, mais je pense que c'est l'ambiance sonore. Explorer l'appartement de la vieille dame, mais je sais pas quoi faire en fait depuis tout à l'heure. Je veux pas une voix, je veux pas un machin. Au début, je voulais mettre hey, hey, monsieur Mandalf! Ah, appuyez sur CTRL pour vous accroupir. Pourquoi il y a un boom là? Robin Piche! Coucou, coucou, maître suprême des glands, bonsoir à toi, comment ça va? Bienvenue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais d'accord, je veux bien, mais. On a vu qu'il y avait la photo d'une vieille. Ah, j'ai cru qu'elle tapait à la vitre. Mais alors, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Shinmoyo qui me traîne vers le lit pour dodo, ça marche. Des bisous à vous, reposez-vous bien. Moi, je sais, moi. Ah, justement, je veux pas de voix, je veux pas que ça me... Ah, j'entends quelqu'un pleurer. D'accord, il fallait revenir là pour déclencher un trigger à la con, en fait. L'abonné mystère suit la chaîne. Bienvenue à toi. Merci l'abonné mystère, bienvenue petit glandelé que tu es tout désormais. En tout cas, ça, ce n'est pas un mystère. Tu es un glandelé, tout désormais. Comment ça va? Ok, il y avait juste un trigger qui s'est pas fait. Il est marrant, le bruit de ce rocking chair. On dirait que ça fait un bruit de pleurs. Un bruit de buzzer. Ouais, j'ai peur que ça me fasse peur, ça, ou que ça m'éclate les oreilles.
Dans le gloriole peut-être? Non. On peut pas regarder dedans en tout cas. Donc on sait qu'il y a un bruit de l'autre côté. Quelqu'un qui chiale de l'autre côté. Putain, je crois qu'il y avait la poupée. Un bruit de tweet. On en a déjà un sur une commande et il fracasse les oreilles. On trouvera un petit... Mais c'est pas une lampe halogène que t'as dans ta torche. Pourquoi ça fait un bruit comme ça, la connerie? La fin du gloriole, mais t'es aussi malade que moi, mais évidemment. Bon, je faisais que passer à plus. Eh bien, à plus, merci d'être passé, Robé. Et passe une excellente soirée. C'est quoi un gloriole? C'est rien du tout. Ok, fallait cliquer sur le tableau qui pleure. Oh, il y a un méga gloriole derrière. C'est un Pokémon, c'est ça. Elle a des yeux laser. Elle a le regard qui pue. Oh, ça saturé de ouf. Par contre, là, c'était pas très agréable. D'accord. Est-ce que je peux jouer du piano maintenant? Non. Paf, on y va. Paf, elle m'aurait mis un doigt dans l'œil, surtout. C'est comme un puits aveu, c'est ça. Il peut se passer plein de merveilles et se passer plein d'horreurs à la fois. C'est un peu en 50-50. C'est soit ça va être trop bien, soit ça va être horrible. Et tu vois... Ah ! Il laissait ton doigt. Vieille pute, va. Pardon. J'en ai éteint la lumière, mais à chaque fois je me crispe. J'écrase ma paume sur le clavier, soit je m'épose, soit je coupe les lights. Salut gaming, ça va? Putain de vieille connasse là. Fils de maman. Putain. Ah mais regardez, les 22h, c'est l'heure de la fin du stream. Oh, c'est dommage. Merde alors. Je me suis fait mal à la gorge et tout. Putain, ils sont rares ceux-là. Sauf que je m'encule la gorge, là, ils sont vraiment très très rares. Anti-titre. Je pense pas qu'il y ait besoin de retourner là-bas. Dans le doute, on va y aller, on est à côté. Pas mal le clip pour un TikTok sur l'explication. Qu'est-ce qu'un gloriole? Eh bien, ça, c'est un plan. Ah, j'avoue. On pourra l'appeler qu'est-ce qu'un gloriole. Toujours la photo de la vieille. Et ça retombe. Je rampe sous la table. Je rampe sous la table. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Je sais pas quoi me faire. Ça me casse les couilles. Je sais pas quoi me faire. Je ne sais pas quoi faire. J'arrive pas à trouver la rythme du boum boum. Je sais pas où aller, ça m'a saoulé. Ouais, c'est de jouer du piano. Debout. Piano debout. Pas de zone. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, c'est l'heure de la fin, la merde. Putain, j'ai mal à la tête. Je crois que j'ai dû me péter une varice de la tête.
Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est chiant ces jeux, il faut tourner 100 ans pour essayer de déclencher un événement là. Explorer l'appartement de la vieille dame, c'est bon, tu crois pas qu'on en a assez vu? C'est bon, on a vu toutes les pièces. Il doit y avoir une merde à cliquer encore sur un mur ou un zébi là. Il doit y avoir un zgeg à trouver là. Oh. Putain, faut cliquer partout, mais c'est sûr et certain quoi. Pourquoi c'est deux vieilles différentes aussi? J'ai jamais compris dans les jeux. On a la vieille qui nous a fait peur dans notre appart, et maintenant qu'on est dans son appart à elle, c'est une autre vieille. Est-ce qu'il faut pas cliquer là, peut-être? Non, non, non. Ah, il y a une note sur le rocking chair, personne ne l'a vu. Oh, c'est l'histoire générique sur 20. Je ne peux pas supporter cette perte. Ma fille me manque tellement. Quand je m'endors, je vois encore son visage. J'ai peur qu'un jour je me réveille et que j'oublie à quoi elle ressemble. Cela fait plusieurs années. J'aimerais bien faire quelque chose pour pouvoir la voir une dernière fois. Une toute dernière fois. Peut-être que je peux faire quelque chose. Il y a un vieux livre que j'ai trouvé dans le grenier de ma mère après son décès. Peut-être que je peux l'utiliser pour voir ma fille une dernière fois. J'ai toujours trouvé ce livre de sorcellerie stupide, mais ça vaut le coup d'essayer. Voilà, bah on a la réponse à la question de pourquoi on a vu deux meufs maintenant. Générique sur 20. Générique sur 20 et ça marche de ouf. Générique sur 20. Générique sur 20. Générique sur 20. Où est ce putain de bouquin? Générique sur 20. Il est où le bouquin? Oh, ça pue du cul. Ça pue du cul et c'est pas moi. Ça pue du cul et c'est pas moi. Mina, elle sait. Elle sait où on en est de la fin du jeu. Il est 22h. On est loin de l'avoir fini ou pas? J'imagine que oui, vu comment on tourne comme un con depuis 10 minutes. Nul à chier. Ok, c'est... Pute! Pardon! Connasse, pardon. Rien de personnel, hein. Bon, j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Faut poser des bougies. Je deviens vulgaire, hein. Nul à chier. Je deviens tellement vulgaire envers tous les monstres des jeux, au moins tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tu veux vraiment savoir où t'en es? Ouais, vas-y, fais-moi chialer, on est au début du jeu, non? Il doit rester une heure de jeu. On avait prévu trois quarts d'heure, là, on est déjà à plus d'une heure, donc... Genre à peine à la moitié. T'es sérieuse là? Ah ouais, c'est chaud là. Ah ouais, c'est chaud là. Mais en même temps, ça, on tourne en rond, tu m'étonnes qu'on ait passé de 3 quarts d'heure à 2h45. Et en plus, le truc il se fait en one sit. Il se fait en one sit, donc en gros, si on le coupe, ben, on n'a pas la fin du jeu quoi. Rage kit. Non, rage tour. Ah, il doit rester une bougie. Alors, c'était une bougie à poser quelque part, mais ouf. La bohème. La BM. La bohème. Alt F4, elle désinstallée. Mais enfin. Mais vous n'y pensez pas. Je veux bien faire ça pour un ou deux jeux, mais à un moment donné... Les jeux, je les achète, hein. À un moment donné, il faut les finir, quand même. Ah, dernière bougie. Explorer l'appartement de la vieille dame. Thank you.
On entend du bruit ici. C'est forcément par là. Cherche dans ton cœur. Exactement, cherche la force dans ton cœur, Yugi. Bah tiens, c'est surprenant. Alors qu'est-ce que je vous ai dit il y a un quart d'heure à propos des jumpscares sous les tables? Je me gratte avant de me crever un œil. Tu l'as pas eu celle-là. Salut Nico, comment ça va? Ah, le piano est en 2, 3, 4, 5, 6. En fait, si le jumpscare aurait marché si elle avait juste passé sa tête. Pourquoi il y a un troisième protagoniste maintenant? Je m'y attendais, j'ai quand même fait un saut sur ma chaise. Enfin, l'ambiance ici. Alors, l'ambiance est délirante. Tous dans la même galère, Agat. Tous unis dans la merde. Oh, encore une autre poupée. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1. Va te faire enculer. Quelqu'un peut noter ça, s'il vous plaît. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1. Non mais... Qui a envie de se faire chier à retenir ça pour jouer sur le piano qui est juste à côté? Je sais pas, il peut pas faire comme ça. 1, 2, 3, 6, 12, 8, 15. J'ai screen. En attendant... Alors, les pianos, ça se joue avec le doigt, pas avec le poing fermé, en fait. C'est pas 3-6! C'est pas 3-6! C'est 3-5-6-5-3-1! Putain, Danar! Ça a voulu aller vite pour faire le faillot, là! Ça a noté n'importe quoi! Merci. Merci à toi. Je suis sûr que t'as fait exprès d'oublier une note, pardon. C'est une chanson que j'avais l'habitude de jouer au piano pour ma fille. Elle l'adorait tellement qu'elle dansait... She was a fairy. Elle dansait tenue le fairy. She was a fairy. Ma fille bien-aimée, j'aimerais pouvoir lui jouer une chanson, cette chanson, encore une fois. Juste encore une fois. Jumpscare! Oh. Ah, il y avait une clef. Une très vieille clé avec une forme unique. Jumpscare! She was a fairy, la fairy du logis. Ta fille est décédée. Pas eu le temps de... Hein? Ok. She was a fairy. Elle adorait le chocolat Milka. Elle est où la porte rouge? Bordel! Quand j'arrive dans la piscine, je n'ai pas le temps de me changer, de vider mon slip. Je sais. Elle est où la porte rouge? Elle est là, je crois. La porte rouge, il faut deux clés. On en a qu'une. On l'a dans le cul. Ah, je crois que la télé s'est allumée. She was a fury. Catégorie très bizarre. Ça regarde un espèce de film nul. Oh, c'est très cool, ça j'aime bien, ça me fait penser à Scary Movie ou à Rec. She was a clay on the telly.
ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ça me permet de penser à autre chose que je me chie dessus. Parce que littéralement cette scène là, si j'avais pu je refais caca. Je ne comprends pas. Pourquoi ma lampe fait ce bruit là? Elle fait un bruit de vieille ampoule 4D1. Ampoule numérique. Putain, c'est quoi le nom déjà, l'ampoule à filament, la merde? Ampoule à filament. C'est comme enfiler maman. Ça se fait pas trop, sauf dans le nord de la France. Nord de la France. Ils sont contents quand on leur dit tu peux démonter ta tente. Mais ils ont pas compris qu'on était au camping. Bâtard. Elle sert à quoi cette clé? Y'a encore une porte fermée ou pas? Je m'en rappelle pas. Je me promenais dans la maison jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Non, ici on va pas y aller, c'est sous la table, j'en ai marre de me baisser. Je suis blessé en fait, je m'en suis fait les ischios jambiers, croisés, également croisés antérieurs. Je m'en fous dehors. À pas dehors. Il y a une toute petite bougie à côté, on dirait. Regardez, il y a une grande bougie et une toute petite bougie. Ça peut-être pourrait ouvrir cette porte. Ah c'est bon, j'ai compris, j'enlève l'autotune. C'est bon, calme-toi. Putain. Ah, c'est pour ouvrir le placard, la clé. Putain. Ah, un Polaroid, griffé. Utilisé par la vieille dame pour prendre des photos de son enfant bien-aimé. C'est le premier objet que la dame a maudit, d'où les marques étranges. Et peut-être utilisé pour révéler des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais ce jeu est tellement générique qu'il mélange les mécaniques de tout l'univers. Cette page a été arrachée à un journal intime. Cher journal, aujourd'hui, je me suis acheté un masseur Toshiba. Et j'ai découvert... Il me regardait droit dans les... Plus jouer du piano, même assis. Jouer du piano assis. Comment on fait pour faire l'appareil photo? Est-ce que le jeu nous a précisé qu'il y avait une touche pour faire une photo? Ouais, c'est deux. Ça marche pas. Oui, non, mais on a compris. Asgibela, mais à un moment donné. Ce guibola, commence à me casser les couilles. Hein. Un réveil efficace, ouais. Vous étiez en train de vous endormir sur ce stream? Eh bien, bon réveil à vous. Bienvenue sur Terre. Salut les petits terriens. Salut. Salut les terriens. Salut. Comment il s'appelait ce con hardisson hein? Tu es bien en QWERTY? Oui. Ah! Ok, j'ai un objet maudit sur deux. Appuie sur E pour quitter. Appuie sur 2 pour sélectionner l'appareil photo instantané. Appuie sur F pour l'utiliser. Fist fucking. Fibroscopie d'une chienne. Dans un trou de l'univers. Cavité stratosphérique. L'album photo a changé. Ah bon? Bah non du coup. Ah si. Ouah, ça va faire un dessin de clé, ça va être incroyable. Aïe, ah, je me suis enculé la dent dans le bras du micro, quel con! Je me suis penché, je fais comme ça. J'ai tapé la dent dedans. Quel connard! Ok, c'est le salon avec la télé, ça, on dirait. Non, c'est la radio. Ah non, il faut se remettre à croucrou sous la table. Je me suis enculé la dent. Oh non, faut se remettre à croucrou. Accident de travail. Ouais, mais qui va me payer si je ne stream pas? Connard. C'est ici. Venez à la lune. Salut le BH, t'aurais pas 007, s'il te plaît, baby. Faut peut-être que je te prenne en photo.
s'en barre les couilles. La table tourne, il y a une main dessus. Mais c'est la marque qu'il y a dans Skyrim, ça, la marque de la guilde des assassins, là. Ah, mais il fallait prendre la note, en fait. Pour dire qu'à chaque fois qu'elle la prenait en photo, ça l'a saoulé. Nous, Bandalf. Ah bon ? Ça veut dire que vous pouvez vous sub sans que je stream ? Ouais, ça sert à quoi de streamer alors ? Il faut être sorti de la table, c'est ça ? Il faut être debout pour prendre la photo ? Sur ce, je go lurk. Yes. Eh oui. Il fallait être debout. Brouillard sur le cimetière. Y'a des vautours perchés sur les bières. Un gros zombie pas chouette. Pour après-moi avec une machette. Chauve-souris dans le hangar. Y'a du sang sur le trottoir. Y'a un pendu dans la cour. Ça tombe bien, je vais faire un petit tour. On a la bouche pleine de sang et on rit. Oh, ma femme couche avec Satan, c'est bon la vie. On est marre. Ça va être quand ce jeu? Tu vas faire comme l'inquiéter en restant 5 minutes devant le mannequin pour inviter les viewers? Non. Je regarde pas, je peux pas te dire. Je regardais les idiots du confinement, comme tout le monde, mais ça s'est arrêté là pour moi. Oula, c'est quoi ça? Vous reconnaissez où c'est ça? On dirait un lavabo avec une serviette, mais il n'y a pas de salle de bain chez la vieille. Pardon. Vous reconnaissez... Ah, vous voyez que mon front, c'est cool. Parce qu'en fait, je joue sur un 17 pouces loin de moi. Je suis obligé d'avoir la tête collée dessus pour y voir. Mais quelqu'un reconnaît où c'est, ça? On dirait vraiment un lavabo, mais je suis pas sûr. Bon, on cherche un truc qui ressemble à une cuve blanche avec une serviette blanche, dans ton appart. Ah, super. Merci. Ah, c'est peut-être du papier peint. Ouais, c'est du papier peint arraché. Regardez, on a trouvé la serviette. Ok, faut trouver du papier peint arraché. C'est-à-dire à peu près partout. Ah, peut-être dans le salon, du coup, à côté de la télé, peut-être. On a la bouche pleine de sang et on rit. Ma femme couche avec Satan, c'est beau la vie. Et le problème, c'est du papier peint arraché, il y en a partout, mais y a pas cette cuve blanche dessous. Après, il y a cette pièce qui est fermée là-bas, donc à tout moment, c'est là-bas quoi. Parce qu'ici on y est déjà allé, il s'est rien passé. Donc. Ah si, il s'est passé quoi. Il y a déjà eu une photo qui était prise. Il y a une pièce qu'on n'a pas ouverte et je suis sûr que c'est dans cette pièce pas ouverte. Mais le jeu te précise pas et donc tu tournes 100 ans en te disant bah, j'y suis allé 15 fois et 15 fois c'était fermé. Sauf qu'à la 16ème fois, c'est ouvert. Ma théorie est-elle exacte? Je suis un génie. C'est pas ouvert. Alors c'était pas un lavabo, c'était la télé. On a la bouche pleine de sang et on rit. Ma femme couche avec Zazan, c'est bon la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante un peu là pour passer le temps? Parle avec une Anissa, mais moi je m'appelle. Mais moi je m'appelle Weshden, wesh, je m'appelle Weshden. Alors tu prends tes affaires et tu es hors de ma vue. Et maintenant il faut aller où? C'est le portrait de la vieille, je l'ai déjà vu. Tout sauf du Weshden, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? Je suis un artiste professionnel, hein. Je sais tout faire. L'âne trop, je connais pas. Des trucs que je connais, quoi. Qui sont de ma génération. L'âne trop, c'est pas du tout ma gêne. Je peux la prendre d'ici ou pas la vieille? Non, toujours pas. Non, toujours pas. Vous kiffez quand on avance comme ça, là, dans la sombritude? Coucou!
Attention, la prochaine, c'est la bonne. Ah ! Salut, mamie. Baby Shark. Baby Shark, Baby Shark. Voilà. Baby Shark, l'intro. Voilà. Le roi lion, roi lion. Je voudrais déjà être roi. Allez! Putain, jamais il s'arrête ce jeu. Bon, on a la clé, on sort de chez la vieille, on quitte l'appartement, le jeu est fini. C'est ça, Mina? Waouh, on a une clé, incroyable. C'est une grosse clé, hein. Le problème, quand tu commences à parler n'importe comment, à faire une connerie, un accent, tu sais, tu chopes un toc, tu peux plus t'empêcher de le faire. Là, j'ai envie de vous parler en faisant des... C'est tout ce que je fais, hein, je fais des... C'est tout. Et j'ai envie de vous parler en... Je n'arrive plus à m'arrêter. Faut que je trouve un autre toc. Ok, let's go. Allez, on est sorti de l'appart, là. C'est la fuite. C'est la fuite urinaire. Let's go! C'est pas la sortie de l'appart. Oh non, mais il y a un miroir géant, mais tu... Mais... Visage! Avec des photos de la vieille qui nous regarde. Il y a des LED dans les tableaux. Les yeux, ils sont même pas bien placés. Le démon de minuit. Non, parce que je vais plus m'arrêter après. Je vais me coucher et en allant dormir, je vais chanter comme Bedozo. Il va y avoir un truc dans le miroir, un jumpscare, une connerie. Ça y est, la mécanique de l'appareil photo déjà abandonnée. Oh, une table de Ouija, bah... C'est... Ah, c'est ça la musique. En fait, tous les soirs, elle fait du Ouija en écoutant de la musique. Du Ouija en écoutant du Weshden. J'ai trouvé ce vieux gramophone à côté du livre de ma mère. Le vinyle contenait des instructions sur comment parler à un esprit décédé. Je dois suivre les instructions en faisant très attention. Peut-être que de cette manière, je pourrais parler à ma fille. Une dernière fois. Ouais, ça s'est éclairé, cool. Ingrid, est-ce que tu baises ? Non. Hagrid, est-ce que tu baises ? Non. Merde. Ah, il y a le disque. Je vous laisse lire, hein. C'est un prank sur TikTok, en fait, hein. C'est bon, hein. Non, pas de retour en arrière possible, ce qui est... Pff, on va baisser le son, ça m'encule les oreilles. Toutes les conséquences d'une conversation avec l'esprit sont à votre charge, c'est-à-dire ça va me coûter du hors forfait. Vous aurez besoin d'une planche de Ouija et d'un bol contenant des offrandes. Moi, j'ai un bol avec des chocs à pic. Veuillez à placer un miroir devant vous. Voilà, tout fait la vieille. Le miroir révélera l'indice suivant. Oh, jamais il s'arrête, ce putain de jeu de ces morts, là. Un drop de slaughter tout privé, c'est ça. Oui, il parle de Will Smith. Un œil. L'œil de Sauron. Là, c'est l'œil de... Pas la peine de cracher sur le miroir, hein. Ah, une boîte. Mina ! Ah, mais je peux pas l'utiliser. Ah, quoi qu'il arrive, en fait, je peux pas l'utiliser. Il y a un cadenas avec un code. Ah, bah c'est bon. Y a... Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, B2, B2O. B2, E6. B2, E6. A3, D5. Alors, 3. Il manque le C. On va brute force au pire. A6, C8. Alors, 3. 3 de 8. Vous appréciez ou pas? 3 de 8? 3, 2, 8, 5, 6. Ouais, c'est ça. Je vérifie une dernière fois pour être sûr de vous emmerder les oreilles. Et bon, je finis. 3, 2, 8, 5, 6. Merci.
merci. C'est pas ça? C'est pas 3, 2, 8, 5, 6? Bah. On a bien lu pourtant. C'était pas 3, 2, 8, 5, 6? J'ai mal lu un truc? C'est 6, 4, 3, 2, 1, 0. C'est pas 3, 2, 8, 5, 6? Mais on a bien vu tous la même chose. Ah, 3. Ah, c'était 3, 6? J'ai mal retenu? Permission de backseat? Bah, je sais pas. Il y a une commande. Tu fais comme tout le monde, logé à la même enseigne. Ed. Oui, Minna, je t'écoute. Tu as la parole. T'as manqué un truc. Ouais, mais il est 22h21. Tu peux envoyer directement le code, en fait. Et 22h21, là, on est en heure sup. J'ai pas envie de... A3. B2. 3, 2, ABC, c'est 8, 3, 2, 8, ABCD, 3, 2, 8, 5, 6. Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ce qui est écrit sur les tableaux ABCDE? 8, 6, 8, 5, 2, 6, 3? Hein, quoi? Pourquoi c'est l'inverse? Pourquoi 8, 8, 5, 2, 6, 3? Pourquoi? Pourquoi c'est... Ah, t'as manqué un truc. Ah, mais qu'est-ce qu'on a manqué alors? J'aimerais quand même comprendre pourquoi on n'a rien compris. Surtout Wild. Un lien avec le Ouija. Non. C'est pas le miroir non plus, parce que c'est pas du tout l'inverse du code. C'est pas les poses de la vieille sur les photos. C'est pas ses yeux non plus. Il y a un papier quelque part. Ah bon? 8, 5, 2, 6, 3. Voilà. Un papier dans une porte? Ah, dans le vaisselier. Je voulais cliquer dessus pour l'ouvrir, mais j'ai pas réussi. Un peigne à cheveux. Non, le vaisselier s'ouvre pas. Les papiers, ça se range pas dans les portes, Minna. Une porte, mais il y a qu'une porte. Y a pas de papier sur la porte. Il y a qu'une porte. Bah. Dedans? Mais dedans quoi? Dedans quoi? Mais... Tabarnak de Steve Callis. Tu peux pas ouvrir la porte? Non, la porte est fermée. Elle est full fermée. Tu peux pas faire des phrases complètes. What? Ah, d'accord, donc en plus dans ta version de la Solus, la personne a ouvert la porte. Super. Pour parler en esprit, faites une offrande, je sais pas. Déplacez un objet personnel de la personne à qui vous souhaitez parler dans le bol à offrande. Bah tiens, il y a le peigne là. Ah, il est sympa le vinyle. Il attend qu'on ait posé le truc dans le bol avant de continuer les instructions. C'est un smart vinyle. Vous pouvez pas comprendre. Et une photo de la personne. Oh bah j'en ai plein hein. J'ai une photo de la fille que j'ai trouvée dans l'album, je peux peut-être l'utiliser. Ouais. Ouais. Et donc? Des bisous, Agathe! Des bisous! Il y avait une phase B, c'est pour ça.
communiquer avec l'esprit. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? C'est pas ma fille. Ah, ils sont là, ils nous regardent. Est-ce que tu baises? Y a-t-il quelqu'un ici avec moi en ce moment? Fuck you! Ok, super. C'est bien, une retranscription. C'est très long. On est loin de la fin du jeu? Êtes-vous attaché à un objet? C'est-à-dire, c'est très vague comme question, ça. C'est-à-dire que si elle est morte en pleine séance SM, oui, elle est techniquement attachée à un objet, quoi. Pas de réponse. Si oui, à quel objet es-tu attaché? Mais il n'y a pas eu de réponse. Mais pourquoi tu lui poses cette question qui ne sert à rien? Elle ne t'a pas répondu et tu dis, bah si oui, du coup, bah non. Yes! Imagine, elle répond, oui. D. O. Do. Do. Doll. La poupée! Ouais. Que cherchez-vous? Kill. Death. Fuck! F. Fuck! Fuck! Flu. Flu. La grippe. Flee. La fuite. Fleet. La flotte. Fleece. Flèche. Flèche. La chair. Très bien, super. Dole en Bretagne. Tu attaches à quoi? À la région de Dole. À la ville de Dole. Est-ce que vous êtes la fille? Yes. Pas de réponse. Réponds-moi. Êtes-vous la fille? Pas de réponse. Goodbye. Oh mon dieu, la table de Ouija, c'est règle. C'est fort. C'est très fort. C'est très très fort. Ok. Et la porte s'est ouverte. Sortez de l'appartement. Ah bah il était temps. Petit navire. Attends, ça veut dire que je dois retourner dans mon appart et trouver la poupée maintenant? Oh non. Bon, au moins ils ont le mérite de leur avoir colorié la gueule quoi. J'abs mal. Bon, c'est pas mal ça, cela dit. C'est un peu générique, c'est un peu nul, comme tout ce jeu, tout le jeu, mais ça fonctionne. Il y en a moins une qui va me sauter dessus. Bon, je dirais celle qui pisse le sang. Et qui me tend un truc. Un paquet de clopes. Les clés de ma maison. Ah, les clés de ma bagnole. Ah non, la clé du sous-sol. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fous dans le sous-sol de l'immeuble? Mine de rien, on est loin de la fin du jeu ou quoi? Il va être 23h là, JPP là. On va à la Dole en Bretagne. Mais comment on sort? Ah bah oui. Ah, j'ai eu peur mais ça va. Il manque un tiers. Zebi. La vache. Non mais c'est bon là, ça va. Voilà, c'est bon, on a plein le cul dans la sombritude là. Dark Bandalf, il y en a plein le cul là. Excusez là. Je me suis fait mal aux mains, bah pourquoi? Un tiers, c'est-à-dire un tiers de 10 minutes. Non mais il dure pas 3 quarts d'heure ce putain de jeu. Ah si t'enlèves tous les moments où on a tourné en rond et où on a chanté du Bédoso, si. Un tiers sur YouTube, oui voilà, mais c'est pour ça... Voilà. Y'a pas de save, mais non y'a pas de save. Menu principal ou reprendre. J'ai très envie de faire menu principal, mais si on l'a dans le cul, on la fout dans le cul quoi. Alors qu'à un moment donné, ça fait chier de perdre le progrès sur ce jeu, quoi. C'est rien, Neko, garde ta pureté. Tout va bien. N'écoute pas Wild. Dans la vie... D'accord, super, on l'a pas vu, on regarde ailleurs. Dans la vie, il y a deux choses qu'il faut pas faire. Voilà. Que demandera Bandalf? Ben voilà.
Fornalf a répondu. Allez, direction le sous-sol. Le méchant. Le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Oui, il y a un truc, après les boum boum, ça fait ah tchika tchika tchika. Vous l'entendez ? Que ça accélère. Ah, oh, je suis enfermé, génial. Oui, il y a des cellules dans le sous-sol de l'immeuble. J'entends boum, tchika tchika tchika. Tchika 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 tchika. Tchika 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 tchika. Les jeux génériques sont vos amis pour la vie. Jeux génériques. Il prend les idées de tout le monde partout. Quoi, mais. Quel fucking hostie de calice de putain de sa grand-mère de Simonac de rapport. La lampe poche est cassée, mais à quel moment la lampe poche a explosé? Quelle est la touche du briquet? Pourquoi il y a Jason coupé en deux là? Ouais, c'est sûr que s'il marchait pas aussi lentement, on l'aurait déjà fini. T'es en train de me dire qu'on peut sprinter et que je savais pas ou ça se passe comment? T'as l'air de savoir des choses. Faufile-toi. Tu passes. Faufile-toi. Oh là là là. Eh, défenestre-toi, ça va plus vite, hein. Oh, c'est pas joli, ça. Bon, faut qu'on trouve une autre chanson, là. Je sens que je suis en train de perdre l'attention des viewers, là. C'est tellement générique. Il y a de tout. On dirait les jeux d'Avilex de l'époque. Sur NES et Super NES, présentés par JDG, là, la boîte qui achetait toutes les licences et qui faisait des jeux ultra génériques. Il y avait un jeu et qui reskinait à l'infini. Voilà, c'est pareil. L'Unreal Engine, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un seul jeu reskiné à l'infini. Unreal Engine, c'est le d'Avilex de 2024, quoi. Ah bah super! J'allais dire, j'ai plus d'essence d'embriquer, quoi. Génial. Ça y est, on est passé de la pure terreur dans l'appart à l'emmerdement maximal dans le sous-sol. Une petite clé, je me demande bien ce qu'elle peut ouvrir. C'est plus mamie, je crois que c'est sa fille, là. Les produits laitiers. Les produits laitiers. Les produits laitiers. La 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 la. Je suis intérimaire, je suis intérimaire, je suis intérimaire et je n'ai pas peur. Je suis intérimaire, je suis intérimaire. Je n'ai pas peur. Je suis venu pour nettoyer, je suis venu pour nettoyer. Non mais attends, j'ai raté un virage là. Il y avait deux endroits et j'en ai trouvé qu'un. Ouais, c'est un bunker. Attention à pas glisser dans les marches. Je suis un étudiant, je suis un étudiant, je suis un étudiant et j'ai pas peur. Bon anniversaire les petits indiens, bon anniversaire les petits cow-boys. Je veux chanter, danser avec tous mes copains, ici tout est pourri, on s'amuse bien. Bon anniversaire les petits connards. Bon anniversaire les petits bâtards. Ok. On est allé à gauche tout à l'heure, on va aller à droite. Il a touché le fond. Tu es loin du compte. Tu es extrêmement loin du compte, hein. Crois-moi, on a atteint des états de stase et de transe bien pires sur ce stream. Bon bah du coup le chemin j'imagine que c'est long. Ah oui effectivement, bah c'était une grille avec une porte.
nous pouvions utiliser la clé, tout simplement. La clé des champs. Zidane il a frappé, Zidane il a frappé, Zidane il a frappé l'Italien. Coup de boule. Coup de boule. D'abord la jambe droite, d'abord la jambe gauche. Ah ben zut alors, ça s'est écroulé. Avant chaque match de foot, je bois de la cristalline. Qui c'est qui a marché sur un Lego? Oh mon dieu, un homme pendu en slip. Cette chaîne est très inconfortable, mais je ne peux pas la... Je ne peux pas la retirer, donc ça fait... Non, tu n'as pas retiré la chaîne. Il y a un symbole étrange avec un chiffre. Peut-être que le nombre indique le nombre de ses victimes. Ah bon? Oh, bah, il a un couteau dans le bide. Mina... Est-ce que le jeu il est fini? Il dit qu'il pleure derrière les murs là. Oh non, il y a une énigme avec des chiffres et des symboles. Mina, c'est quoi la solution à l'énigme? Allez, je dirais que c'est ça. Et ça, 1, 2, 3, 4, il y a 6 trucs. Il y a 6 leviers. Qui font un bruit insupportable. Pour le bien de nos oreilles, Mina, il nous faut la solution. Sinon, on va être sourd. On va être super sourd. Bon, il doit y avoir des indices quelque part. Je vais faire semblant de chercher le temps que Mina cherche à ma place. Merci, Mina. Toujours avoir une Mina dans la poche. Ou sous la main. C'est qui pleure? Alors lui, il nous disait, il y a des symboles bizarres. Et il était pendu par la colonne vertébrale. Oh, il pue du cul. Ah, je veux dire, aigu brute force. Ça va finir par ouvrir la porte, quoi. Ouais, une Mina dans la poche, pas des grandes poches. Bah, une petite Mina, une miniature. Il nous faut une miniature. Salut Otto, comment ça va? Dans la poche, elle est pas si petite que ça, quand même. C'est pour ça que j'ai dit une miniature. Quel enfer. Alors, si on part du principe que j'ai déjà vu ça dans Hellblade, ça va être 2, 4, 6. Ok, 2, 4, 6. Et là, elle va nous dire, hosti tabarnak, il fallait toutes les lever. Ok, tabarnak, on va baisser la 2 et on va baisser la 6 et on va baisser la 3. Ensuite on va baisser la 1. Ensuite on va baisser la 4 et ensuite on va baisser la 5. Ce bruit me fait trembler la peau du gland. Quel enfer. Bon, si on revient en arrière. Ah, ça s'est écroulé. Bon, faisons comme si on respectait le jeu et qu'on avait vraiment envie de faire l'énigme. Cherchons les indices sur les murs. On peut peut-être passer sous ça, là. Eh ben oui, on pouvait passer là. Eh oui. Tout simplement. Alors, maintenant que je suis passé dans notre pièce sous la grille, j'ai vu quelle était la solution sur un bout de papier, parce qu'il y avait un mec allongé sur un lit. La solution est... La solution est... Je dirais la 1 et la 5. Je dis ça au pif, hein, mais c'est parce que je suis un génie. Et ça déverrouille la porte. Ouais, je suis trop fort. Je le savais. J'ai monté la 2 et la 6 tout à l'heure. Là, c'était la 1 et la 5, tu vois. Décalé sur la gauche, c'était bon. Merci, Mina. Maintenant, on va rajouter des chaînes avec un petit peu de physique. On va y arriver.
Quelqu'un qui s'encule la tête sur le mur, là. Je reconnais ce bruit. Ah oui. Ouais. Ce bruit est reconnaissable entre mille. J'adore ce rôle de Baxitos Pro. Oh bah tu sais, je pense que tu peux regarder toute la soluce et nous donner toute la marche à suivre pour le finir le plus vite possible. Le but étant de finir ce putain de jeu avant 23h, il y a un mur invisible. Ok, bon Jean-Michel s'encule. Ah bah, ah oui, il faut que je le prenne en photo. Ah, enculé de tes morts bah. Connard. J'ai essayé de la blesser. Très bien. On dirait que cette page a été arrachée. Oui, la vieille, elle est folle. Sa fille, elle est partie. Partie, pour toujours. La poupée, elle joue avec son esprit. C'est en train de lui pourrir l'esprit. Cette chose, ce n'est pas sa fille. C'est quelque chose de bien pire. Je dois le détruire. Peut-être que de cette manière, je pourrais m'échapper de cet endroit. Ok. L'innocence. J'avais oublié qu'il y avait la mécanique de l'appareil photo. Sinon, tu peux pas l'enjamber plutôt que de passer bêtement dessus et de tremper tout ton pantalon. Du con man. Il t'en reste pas gros. C'est-à-dire. Oh là là. Je vais encore tremper et saloper toutes mes chaussettes. Ça sent le jumpscare bon marché qui va marcher sur Mordalf. Voilà. Il aurait pu marcher si j'avais pas tourné de l'œil pour regarder le chat. Mais en vrai, j'ai fait une grossesse nerveuse là. J'ai ressenti l'électricité, mais là, ici. Et en fait, j'ai fait comme ça. Si vous regardez bien le ralenti de ce jumpscare, si vous regardez mon visage, je pense que j'ai les yeux qui se révulsent pendant une microframe. Mais vraiment. Je dois vraiment avoir les yeux qui se sont révulsés. J'ai tenté de camoufler ma peur. Il est tellement générique ce jeu. J'ai hâte de le noter. L'objectif, 23h. Va aller là, la poupée. J'ai visité la tombe de ma fille tous les jours. Je ne peux pas supporter le fait qu'elle m'ait été arrachée, loin de chez moi, loin de chez elle. Il a fallu que je creuse sa tombe et que j'apporte. Que je la déterre et j'amène ses os ici. De retour dans sa maison bien-aimée. Cette poupée n'est pas sa fille, c'est un démon, je dois la bannir avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, elle a déterré sa fille quoi. Tu veux que je te prenne en photo? Elle s'en bat les couilles, très bien. Ah ah! Ah ah! Ah ah! J'en ai marre de ce jeu, j'en ai plein le cul! Vieille dame, vous avez essayé de blesser ma fille! M'en fous de ta fille! Je veux le générique de fin, je veux aller me coucher moi, merde! C'est bon hein, c'est fini! Ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour mourir bêtement? Oh le con! On peut pas appeler le SWAT, sinon le SWAT, le SWAT, le SWAT, le SWAT, le SWAT. Je sais pas trop. Une unité d'élite. On peut pas appeler les squads. Les squads qui demandent toujours de tes nouvelles. Les squads neufs à part ça. C'est fini? On a gagné? On a gagné le jeu? On a mis 1h45 au lieu de 45 minutes? Ça va? Quelques jours plus tard. Ah. Ah bah dites donc, il est sympa. Dis donc, cette offre sur le bon coin, là, un appartement pas cher. C'est pas cher, hein. Ah, je suis contente, hein, du coup, waouh. J'ai enfin mon premier appart. J'ai pu quitter ma femme, mon fils et mon dolmen. Dolmen le roi. Ah, je suis trop content.
Ah là là, en tant qu'étudiant, c'est difficile de trouver un appartement, surtout avec mes maigres revenus. Je vais enfin pouvoir étudier et devenir quelqu'un d'important. Je vais changer le monde. Le monde est à mes pieds. Wouhou ! Je suis trop content. Oh là là, cette petite vieille qui me loue l'appart pour rien du tout. Je suis trop content. Bon, l'appart est un peu miteux, mais ce n'est pas grave. C'est pas cher. C'est presque gratuit. Ah là 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 là, maman et papa en partant qui me disaient « Si c'est gratuit, c'est toi le produit !» Ah, ils sont cons quand même les deux vieux, hein. Putain. Je vais faire de grandes études et je serai quelqu'un. Je vais leur montrer à toutes et à tous. Merci, madame, pour la location pas chère. Bah, vous êtes où? Madame? Oh bah, je crois que c'est par là, hein. Ah, je suis trop content. Yes! Ah, c'est pas ouf. Oh là, il y a une vieille poupée dégueulasse à l'entrée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Eh, dis donc, je me sens comme happé à l'intérieur de l'appartement. Et puis la terre se met à trembler. Il suffira d'une étincelle. Marios Constantinou, oh l'enculé. Il s'appelle Justin Bridou, le mec qui a fait le jeu. L'enculé, là.